Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les principaux titres de ce journal. Élection législative anticipée au Sénégal. Le pays attend à présent les résultats du vote de dimanche. Le parti au pouvoir espère l'emporter afin de pouvoir enclencher ce qu'il qualifie de rupture. En Namibie, à l'approche des élections générales, les autorités s'attaquent à la question de la désinformation. La commission électorale annonce des mesures. Nous ferons le point dans ce journal. Légère amélioration de la croissance économique tunisienne, mais pas suffisamment pour parler d'une réelle reprise de l'économie qui demeure toujours en crise. Les Sénégalais étaient aux urnes ce dimanche pour les élections législatives anticipées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye, qui est en quête d'une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Pour ces élections, 41 listes de candidats sont en lice. Les premières projections devraient être connues au cours des prochaines heures. Mais en attendant, retour sur cette journée électorale dans ce reportage de Samantha Saberou Sabubanga. Dimanche 17 novembre 2024, des milliers de citoyens sénégalais se sont rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote lors des élections législatives anticipées. Dans une ambiance marquée par l'engagement civique, les électeurs ont exprimé leur volonté de voir un avenir politique serein pour le pays. Bon, je suis satisfait, c'est calme et tout se passe bien dans l'ensemble, honnêtement. Aucune difficulté. À travers tout le pays, les électeurs ont fait preuve d'une grande détermination à participer à ce processus électoral crucial. De Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès et Kaolack, les files d'attente devant les bureaux de vote témoignent d'un intérêt prononcé pour l'avenir politique du Sénégal. Les citoyens, jeunes et moins jeunes, ont partagé leur espoir et leurs préoccupations, soulignant l'importance d'un vote pacifique. Le premier message, ce serait un message de paix d'abord. Que les gens puissent voter dans le calme et la sérénité. Et ça, en parler, ce serait une redondance parce qu'on a une tradition de vote dans le calme et que les gens puissent vaquer à leur occupation dès le lendemain du vote. Les élections législatives anticipées de 2024 au Sénégal représentent un moment charnière pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de 7,3 millions d'électeurs inscrits, dont près de 7 millions au niveau national et environ 339 000 dont la diaspora votent afin de choisir les 165 membres de la 15e législature. En votant, les citoyens affirment leur désir de participer activement à la vie politique et à la construction d'un avenir meilleur. Un vote qui a également mobilisé les Sénégalais de l'extérieur qui se sont également rendus aux urnes dimanche 17 novembre pour ces législatives anticipées. 8 mois après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye qui a promis une rupture avec l'ère Macky Sall. La diaspora a été particulièrement mobilisée comme on peut le voir sur ces images tournées dans un bureau de vote en région parisienne en France. En Namibie, alors que le pays s'apprête à vivre un moment démocratique décisif avec l'élection présidentielle et les élections législatives fixées au 27 novembre prochain, considérées comme un test pour le parti au pouvoir la SWAPO, en perte de vitesse ces dernières années. Alors, à l'approche du vote, la commission électorale tient à s'assurer de la véracité des informations auxquelles les citoyens ont accès. Philomène Tine. Alors que les élections présidentielles et parlementaires namibiennes sont prévues le 27 novembre 2024, la commission électorale met un point d'honneur à fournir des informations fiables et actualisées aux médias concernant ces scrutins à venir. Cette démarche, d'après la commission, s'inscrit dans un souci de garantir un processus électoral juste et informé pour tous les Namibiens et dans une approche visant à prévenir la désinformation et la propagation de fausses nouvelles. C'est pourquoi nous appelons les médias à continuer d'être une source d'information fiable pour les électeurs et le grand public. Votre implication et la précision de vos reportages sont plus cruciales que jamais.
L'un des principaux défis pour la commission électorale namibienne consiste à s'assurer que les électeurs soient informés des dates des élections, des procédures de vote, des bureaux de vote et de leurs droits et responsabilités constitutionnelles. Comme vous le savez, la désinformation, notamment sous forme de fausses nouvelles, peut créer de la confusion et de la méfiance à l'égard du processus électoral. En vérifiant les faits, en vérifiant les sources et en fournissant des informations claires et précises, vous pouvez aider la Commission à lutter contre les fausses informations qui peuvent saper la confiance du public dans le système électoral. 1 449 569 électeurs se sont inscrits sur les listes électorales pour les élections générales prévues le 27 novembre 2024 en Namibie, soit 90% de la population électorale du pays, selon la commission électorale. Afin d'améliorer les échanges commerciaux, le Bénin a lancé jeudi dernier la construction de plusieurs tronçons de route couvrant 70 km. Certaines parties sont rattachées à la transnationale reliant la capitale Cotonou à la capitale togolaise Lomé. Le renforcement de ce corridor devrait accélérer l'intégration sous-régionale. Marie-Raphaël Antelo. En vue d'améliorer l'accessibilité et de favoriser les échanges commerciaux avec le Togo, le Bénin a officiellement lancé un projet de construction de plusieurs sections de route totalisant 70 km de route le 14 novembre 2024. Situé dans le département du Mono, au centre-ouest du pays, les tronçons aménagés et habitumés sont Atiémé, Adorun Lokosa, Adjaha Atiémé, Kounouhouese, Akonana Sohume, Bejise, Achanouk Pinou, Achanoukojo Ungba et la Britelle Djanglanme Umaku. Il importe de dire rapidement que ce projet s'inscrit sur le tronçon Cotonou-Lomé lorsqu'on le considère que le Bénin et le Togo, mais un regard beaucoup plus large nous laisse observer que ce projet s'inscrit dans un cadre plus global qu'on va appeler le corridor Lagos-Abidjan, qui lui va couvrir maintenant 5 pays, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. D'après un bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur du Bénin, réalisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie, le Togo a représenté 72,3% des exportations en valeur du Bénin dans l'espace CDAO au cours du troisième trimestre de l'année 2023. Les tourteaux et autres résidus solides, les tissus de coton, les pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses pelleteuses, autopropulsées et les graines de coton constituaient notamment les principaux biens exportés vers le Togo. Ainsi, ce projet de construction permettra de créer de nouvelles opportunités économiques car les routes qui y seront construites vont permettre de relier les villes aux ports, aéroports et réseaux de trains. Cela va faire en sorte qu'on distribue davantage plus de ressources qui se retrouvent en milieu urbain dans l'arrière-pays où on trouve les populations laborieuses qui n'attendent que justement ces traits d'union entre le monde rural et le milieu urbain pour que le bonheur puisse être créé et partagé au plus grand nombre de la population. Selon la Banque africaine de développement, qui en est l'un des principaux bailleurs de fonds, ce projet de construction devrait accélérer l'intégration en Afrique de l'Ouest, dont 5 à 8% du PIB est concentré dans le secteur des transports. À terme, il permettra d'identifier les échanges en offrant plus de débouchés aux pays enclavés dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. L'économie tunisienne est-elle en train de se reprendre alors que ces dernières années ont été caractérisées par une économie en berne? Eh bien, d'après le bilan de l'Institut national de la statistique, au troisième trimestre, l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 1,8%, marquant ainsi une nette amélioration par rapport au précédent trimestre, mais impossible encore de parler d'une réelle amélioration de la situation économique. Le point avec Philomène Tine. D'après les derniers chiffres publiés par l'Institut national de la statistique de la Tunisie, INS, l'économie tunisienne a affiché une croissance globale d'1,8% pour les 9 premiers mois de l'année 2024, marquant ainsi une nette
amélioration par rapport au trimestre précédent où la croissance avait été estimée à 1%. Ce chiffre témoigne d'une reprise économique modeste mais continue après une période difficile marquée par des tensions sociales et économiques en Tunisie. Même avec cette petite croissance, la résilience tunisienne est toujours à l'œuvre. Certes, le pays est très en difficulté et malgré tout cela, la débrouillardise des Tunisiens montre que en fait, il y a deux facteurs combinés sur l'économie formelle et l'économie informelle pousse la machine. L'un des moteurs de cette performance économique en Tunisie au troisième trimestre 2024 est le secteur agricole. Celui-ci a enregistré une progression significative de 10,6% de sa valeur ajoutée. Quant au secteur des industries manufacturières, il a connu une augmentation d'1,6% de la valeur ajoutée et le secteur des services a affiché une dynamique positive avec une hausse d'1,4% de sa valeur ajoutée, notons auprès de l'INS. Tous les défis aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à la Tunisie d'avoir des investissements pour pouvoir faire fonctionner et faire redémarrer correctement la machine économique. Et je pense que, en fait, il y a une nécessité absolue de bouger dans cette direction-là. En outre, la Tunisie pourrait connaître une consolidation de sa reprise économique dans les années à venir. La Banque mondiale prévoit une croissance annuelle d'1,2% pour 2024 et 2,3% en 2025-2026 pour le pays d'Afrique du Nord. Toutefois, ces perspectives restent fragiles en raison d'un certain nombre de facteurs de risque, notamment la sécheresse persistante, l'affaiblissement de la demande mondiale et la nécessité de réformes économiques en profondeur. Les choses se précisent pour le métro d'Abidjan, une infrastructure très attendue devant permettre notamment de désengorger le poumon économique de la Côte d'Ivoire. La charte graphique a été présentée par le constructeur français Alstom, ce qui devrait aboutir à une étape clé du projet, celle du lancement de la production des rames. Reportage Esther Conan. Dans le cadre de la lutte contre la congestion urbaine et pour améliorer la qualité de vie des Abidjanais, le gouvernement ivoirien a lancé un projet de réseau ferroviaire urbain, dont les travaux préparatoires ont débuté en 2018 et les travaux principaux en 2022. Le 14 novembre 2024, les autorités et les partenaires techniques se sont réunis à Abidjan pour valider les premiers échantillons de couleurs et motifs qui définiront l'identité visuelle du métro. Ce projet vise à désengorger le trafic et offrir une solution de transport moderne et écologique. C'est un projet qui a plusieurs composantes et l'une d'entre elles est celle du développement et de la fabrication des trains du métro d'Abidjan. Dans le cadre de la conception et de la construction de ces trains-là, nous sommes aujourd'hui, après la validation du design et de la forme et des différentes couleurs du métro, donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où nous avons donc validé les différents échantillons représentatifs du métro qui sera construit et qui roulera dans les prochaines années ici à Abidjan. Prévu pour être livré fin 2027, le métro d'Abidjan avec ses 37,4 km de voies et 18 stations reliera Aniama à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce projet, comprenant deux voies, 21 points et un viaduc sur la lagune Ébrier, pourra transporter 540 000 passagers par jour. Il apportera une solution durable aux embouteillages et à la pollution. Le design du métro a été choisi par le ministre des Transports et un certain nombre de couleurs ont été définies qui représentent effectivement la Côte d'Ivoire. Une partie des échantillons restera en Côte d'Ivoire et fera preuve de ce qui a effectivement été signé et ce qui a été alloué. Et une autre partie repartira en Europe dans le cadre de la construction où nous allons libérer ces échantillons auprès de nos partenaires et fournisseurs de manière à s'assurer que c'est bien cette teinte-là qu'il faut respecter et ce sera le garant de la qualité du produit qui sera fini. Avec la validation officielle des teintes, la production des premières unités du métro d'Abidjan va bientôt débuter. En mai 2025, une maquette du futur métro sera exposée au grand public, permettant aux Abidjanais de découvrir en avant-première ce nouveau mode de transport. Ce dévoilement marquera une étape clé dans l'avancement de ce projet ambitieux pour la ville. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.